if I have to go away. Donc là de nouveau, produit minimaliste. Donc le baume à lèvres, toujours le même. Le baume protecteur de chez Couleur Caramel, donc bio. Et puis un rouge à lèvres de chez Dr. Oshka, parce que Dr. Oshka a sorti sa gamme de maquillage, sa gamme de maquillage bio. Et donc on va tout faire avec juste ces deux produits. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, donc on commence par les yeux. Donc on va mettre du rouge à lèvres sur les yeux. Donc on va le poser, on va poser le rouge à lèvres sur la paupière, comme un fard crème, sur toute la paupière mobile. Donc on tapote pour avoir un effet un peu flouté. Et puis on peut l'étirer légèrement. Je me rends compte que c'est mieux d'étirer un peu au pinceau, plutôt qu'au doigt. Et on en remet au ras des cils pour intensifier, pour pas qu'il y ait un côté, pour pas qu'il y ait des trous en fait au niveau des cils. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, je refais les petits coins là, internes et je floute avec un coton-tige légèrement. Et voilà. Donc je vais attaquer maintenant les autres parties du visage avec le rouge à lèvres. Donc là, je vais en mettre en fait sur ma main et je vais aussi mélanger avec un petit peu de baume à lèvres pour donner un petit côté un tout petit peu plus rosé, puisque donc celui-là est un peu blanc. Comme ça, ça fera une légère différence. Donc là, on tapote sur la joue. Alors, ce qui est joli, c'est qu'avec ce rouge à lèvres, donc le mélange, ça donne un rose un peu glacé. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, je prends juste le baume à lèvres et je fais un petit highlight au-dessus de la pommette. Au-dessus du sourcil. Là, mon cupido, le menton, sur le nez. Dans les petites touches de lumière. Puis je vais appliquer mon rouge à lèvres sur les lèvres. Donc on en met surtout à l'intérieur de la bouche. Donc pour faire ce genre de travail, veillez bien ce que vous utilisez un baume à lèvres et un rouge à lèvres qui soit compatible. Ne mettez pas par exemple un rouge à lèvres long tenu mat avec un baume à lèvres gras. Parce que les formules en fait ne vont pas ensemble. Il faut mettre voilà, à la limite un rouge à lèvres mat, mais un vrai rouge à lèvres en stick. Mais pas ces rouges à lèvres liquides. En fait, ce que je veux dire, c'est que voilà, les sticks vont avec les sticks et les liquides avec les liquides. C'est une histoire de formule. Sinon, en fait, les formules s'attaquent un peu les unes les autres et vous avez, ça fait des pelades en fait.